Je m'appelle Wana Vasikai, je suis écrivaine, traductrice et artiste sonore. Dans cette résidence, je travaille surtout sur un projet de livre de poésie. Le projet se concentrait sur la voix, différentes questions autour de la voix, questions historiques, linguistiques, même performatives, visuelles, politiques. Et j'explore aussi la question de la partition et comment on traduit entre le mot inscrit, le mot oral et aussi la performance. L'importance d'avoir un espace comme ce local-là, qui n'est pas dans la maison, et que je trouve que tout le projet habite dans ce local-là. Donc, quand j'entre dans le studio, je suis déjà dans le projet. Je n'ai pas besoin de faire une transition. Et c'est toujours là. Et ça avance même sans moi, presque. Et aussi, je trouve que c'est très important aussi de séparer un peu la vie domestique et la vie artistique, parce que il n'y a pas les mêmes distractions de la vie. Tout ça, je trouve que ça m'inspire dans mon travail. Ça fait comme une... ça me donne une autre sorte d'énergie que chez moi.